Hey, bonjour YouTube, bienvenue sur Cornet.tv pour ce nouvel épisode avec Kelly Vrogne et Cornet Racing Team sur F1-24 et le mode My Team. Aujourd'hui, on est en Azerbaïdjan pour le fameux circuit de Bakou qui ne sera pas facile du tout. Pour commencer, il faut renouveler les sponsors opaques. On va le renouveler sans questionnement. On va également y aller avec les activités. On a quand même plusieurs journées possibles, c'est sûr que on a du choix. Bon, la motivation de Arthur Leclerc. Pas de plate Arthur, là, mais t'as pas besoin de motivation, t'as besoin de rythme, t'as besoin de réaction, t'as besoin d'aptitude, t'as besoin d'expérience. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on va y aller avec des points de popularité pour le pilote. Tournage du deuxième pilote, ça donne de l'argent, ça donne des points pour nous. Puis là, il reste deux points. J'irai pour des points d'écurie, tout simplement. Sur une autre note, eh bien, on est juste en haut d'Alpine avant de vivre potentiellement des développements. Au niveau de l'historique, on peut voir qu'on s'est démarqué en fait récemment là, suite à une quatrième position en Italie. Une course assez endiablée, vous n'avez pas vu ça, allez voir l'épisode précédent. C'était assez fou avec le fond plat endommagé, le dive bomb au premier virage. Bref, c'était assez cool. Puis là, on a 7,5 millions. On a ce qu'il faut pour développer ici la production de points de ressources supplémentaires qui va nous être très utile. Sinon, au niveau du moteur, ça va parce qu'à Azerbaïdjan, ça va très vite. C'est bon. On a encore un 0% de turbocompresseur, mais encore plusieurs courses à faire avant que la saison se termine. D'ailleurs, vous pouvez voir le classement pilote de Lando Norris qui devance Verstappen par 5 points. 194 points Leclerc, 184 Russell, 183 Hamilton. Donc Mercedes est assez serré entre les deux pilotes. Nous, on est à 143, soit 19 de plus que Perez, qui est notre rival actuellement. Fernando Alonso 114, qui est bien. Et Oscar Piastri 81, qui complète le top 10. Un top 10 dont je suis le. Dont Kelly Brog est la seule, on pourrait dire, surprise. Alors qu'on peut voir Lance Stroll assez loin avec 19 points. Puis d'autres, Arthur Leclerc, bien, bon dernier avec Sargent et Hülkenberg. Classement constructeur, 367 pour Mercedes, 362 pour Ferrari, c'est 5 points de différence. Ensuite, Red Bull qui est à 20 points de la tête, McLaren 309 et nous à 143, on se bat avec Aston Martin pour la 5e position, c'est assez évident. Vous pouvez voir à l'instant les résultats, il ne reste plus que le Grand Prix d'Azerbaïdjan, de Singapour, de Miami, du Texas, des États-Unis, le Mexique, Brésil, Vegas aux États-Unis, le Qatar et finalement l'État des Arabes Unis. À Abu Dhabi. Donc il reste encore beaucoup de courses, beaucoup de choses peuvent changer avant la fin de cette première saison avec Kelly Brog et Cornet City. Il est temps de faire avancer les choses. C'est parti, est-ce qu'on va réussir des développements? Ah, département marketing. On perd la popularité, mais on gagne 50 000, je suis pas bien fan. On perd la popularité, mais on gagne 20 000, je suis pas bien fan. On gagne la popularité, mais on dépense 50 000. Ah, c'est clair qu'on fait ça, là. Nous sommes engagés à signer ça. N'oubliez pas de faire une donation. Attends, si j'accepte, je perds de la popularité. Wow! Leclerc a déjà accepté de participer à un gala de bienfaisance à cette date. Qu'allons-nous leur dire? Accepter, puis on perd de la popularité de l'écurie. Ouais, non, rejeté. J'ai de la popularité, puis 50 000, je m'en fous. Merci d'être intervenu et d'avoir aidé à la résolution du problème. Ça fait plaisir, on va continuer. Accélérer le temps pour se rendre jusqu'au 12 septembre pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est fait, oui, capot moteur, distribution, ça marche. On vient de gagner également des ressources. Oui, événement sponsor, ça marche. Ah non! On avait tenté, on avait 55% de chance d'y parvenir. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. On va devoir signaler à l'équipe quelles améliorations on souhaite relancer sur l'écran R&D. Ouais, il y a 0%, mais au moins on l'aura après les deux Grands Prix. On a tout tenté, on a quand même perdu beaucoup de points de ressources pour avoir tenté d'avoir les deux améliorations pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. On est maintenant devant As qui a devancé Alpine. Oh là là, j'ai hâte de voir justement l'historique de la progression alors que nous sommes dans les essais libres. Autrement, on a 1,3 million, 126 points de ressources. On est prêt pour la 17e manche de cette saison 2024. Ok, l'équipe du département du châssis se réjouit des améliorations que nous avons effectuées. De nouvelles pistes de développement s'ouvrent maintenant à nous, blablabla. Il annonce pas de pluie. On a 1 sur 2 qui a réussi à passer les nouveaux développements. On est prêt pour la course. Regardez ici la rivalité avec Sergio Perez. 22 à 18, c'est très serré.
Alors qu'on peut voir finalement l'historique de progression. Regardez ici, on n'a pratiquement pas amélioré notre course, tout comme Aston Martin, mais c'est Haas qui est allé chercher deux places face à Alpine et Williams. Racing Bull qui est devant, Kickstarter qui est bien loin derrière. Ferrari devance Red Bull, qui devance Mercedes, qui devance McLaren, mais c'est très serré entre les quatre meilleures écuries du circuit. Est-ce qu'on y va pour modifier des pièces du moteur? Pas encore, on va peut-être attendre les qualifications. Parce qu'il faut dire que là, aujourd'hui, eh bien, ce sont les essais libres. On y va pour des essais libres rapides. J'espère que ça va mieux faire que la dernière fois. On va y aller avec un 100% 16 minutes au diable. On l'a eu, ouais, quelle surprise. LOL, 8,50 ou 7,20. Oui, 7,20, peut-être qu'on pourra faire de quoi d'autre qui n'est pas trop long. Comme 6,14. Un 4,10, 50%. Oh, let's go, let's go. Donc, on est à 3. C'est bien réussi. Donc, on a réussi lui qui était le plus long possible. Donc, c'est positif. J'ai rien d'autre à dire. Parce que tu as les essais libres, là. On essaye tout le temps d'aller chercher le maximum de programmes complétés. Dans notre cas, on ne pourra jamais y parvenir à 100% vu qu'on fait des essais libres rapides. Mais si on peut aller chercher le plus de points de ressources, comme ici, là, de mon bouton qui bug. OK, ça va. Rythme de qualification, on peut pas aller chercher les points. Ici, on peut-tu? Oui. Hi, c'est beaucoup de temps pour un 70%. Il vaut mieux pas faire chier, c'est ça. Excellent. Plus c'est un 8 quelque chose. Bon, on va y aller avec un... Piloter proprement un secteur devrait être facile à faire, ça. Oui, excellent. Il reste 51. On est rendu à 3, 4, 5, 6. Ah, 6 sur 15. On va être capable d'en avoir 10 sur 15? Hey, je me demande, parce qu'avec les temps, les chronos, c'est limite. C'est très limite. Mais bon, on va faire de notre mieux pour y parvenir. Derniers essais libres. 3 essais libres rapides. Oh, on peut aller chercher, oui, les derniers 100 points de ressources possibles. Excellent, il nous le donne. On va aller chercher, tiens, qu'est-ce qui coûte le moins de temps? Bon. Ici, 7 minutes, on va aller chercher le système de stockage d'énergie. On a besoin pour Baku, parce que tu utilises beaucoup de ta batterie sur une ligne droite. On est en train de tout avoir. Puis pourquoi pas... Ah, 8,40, je l'ai manqué de pas beaucoup. La gestion de carburant, bon, on va aller avec les... Avec ici, 7 minutes 40, réduction du poids. On l'a eu. Excellent, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 15, c'est exactement ce qu'on pouvait espérer. De mieux, ou du moins sans trop prendre de risques. Et ça nous donne combien de points avec les développements d'Arthur Leclerc? Bien, c'est quand même un 1080 points de plus. On vient se placer, un 1000 points de plus, excusez-moi. On vient se placer à près de 2000 points de ressources pour pouvoir améliorer nos pièces sur notre monoplace chez Canary City. Également, au niveau de la popularité, ça monte, ça monte. Oui, Arthur qui monte au niveau 10 et en termes d'écurie, eh bien, on est à la limite du 19. Bon, bien, avec les poids justement à récolter, qu'est-ce qu'on peut upgrader? Je sais qu'il pourrait y avoir des changements dans les départements. Hydraulique est proposé, mais il y a des trucs qui valent, pas qui valent plus cher, mais qu'on a des rabais supplémentaires. Ça vaudrait la peine d'utiliser les rabais qu'on a depuis longtemps. Là, c'est peut-être pas la meilleure chose pour notre monoplace, mais... En termes de cash, c'est ça comme ici, là, système d'allumage. On a le meilleur moteur, mais ici, il risque d'échec 20%. C'est avant les USA. Dette, fabrication, moins 40%. Moins 13% au niveau du coût. Je pense que ça vaut la peine d'y aller pour cette pièce. En espérant que la chaîne motrice ne sera pas un département qui va être modifié. Parce qu'on est quand même à 8 aérodynamisme, 11 châssis, 12 durabilité, 13 chaînes motrices. On est assez even un peu partout, là. Sur ce... C'est parti pour les qualifications et je vous rappelle qu'on est toujours à difficulté 95. Pas niaisage. Nous vous accueillons ici avant les qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. En temps normal, ces rues grouillent de véhicules avec des kilomètres d'embouteillage. Mais aujourd'hui, la circulation est fermée à tout le monde, si ce n'est aux 20 meilleurs pilotes du monde. La séance de qualification du Grand Prix d'Azerbaïdjan peut commencer. Oui, let's go! Ok, c'est parti pour le premier tour. On se loupe déjà en crise, mais on n'a pas accroché rien. Je vous rappelle que je fais pas de test avant
de faire un tour. Ça sera sûrement pas notre meilleur, mais on va essayer au moins de faire de quoi, malgré le contact. Des pneus ont l'air en bon état. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Albon qui fait le meilleur tour, on s'en calisse. Le volant, non. Oh, ça c'est mauvais. Oh, là c'est mauvais. On va recommencer, peu importe. Peu importe, on ne fera pas de temps. Ok, calisse. Retasse-toi, esti. Je garantis pas cher de ma peau à Bakou, là. Mais bon. Je garantis pas cher, ni en qualif, ni durant la course. Mais on va faire de notre possible. Oh oui, on a toujours notre possible. Librog a quand même une belle saison, là, alors qu'on se loupe ici. Il me semble que j'ai vu Verstappen se louper aussi, mais... Je suis pas sûr de moi. Et que c'est stressant. Et que c'est stressant. Ça va. Et le fameux château, faut pas se planter. Et si tu bois, j'ai eu peur. Tu sais, quand tu sais que t'as des reprises, on dirait que t'as une confiance en toi. Puis quand t'as pas de reprise, ben. Tu shakes. Je peux te confirmer que je shake. Surtout ici, d'habitude, je pogne le bombs puis je m'en vais dans le mur. J'ai vraiment de la misère avec ce virage-là, puis j'ai plus de batterie. Ah, qu'il faut que j'économise. Mais je pourrais pas économiser fort fort, là, on accélère. Hein. Tu es tombé à la 22e place. Ben, je pense que je vais rester à la 22e place. Ah, je suis 16e. Je suis pas dernier pour le moment. Ok, c'est parti pour le dernier tour possible. On va faire de notre mieux pour améliorer. On améliore légèrement. Je pense qu'on va avoir une meilleure gestion de l'RS cependant, ce coup-ci. De 10e d'amélioration. Oh shit, je pensais frapper le mur. Ah, ça c'est clairement mieux réussi. What move? Yes, let's go, on lâche pas. Et bon. Oh non! Merde, j'ai amélioré, j'ai scrappé mon temps. Et celui-là, de la voiture derrière moi. Wow, Leclerc pour le position par plus d'un dixième sur Verstappen, Sainz 3e. Norris et Stroll complète le top 5. Perez qui pulvérise le duel avec Calibron qui d'ailleurs se retrouve 17e derrière Yuki Tsunoda. Et Arthur qui est pas dernier au moins, Ricardo qui est dernier. Donc au moins une certaine amélioration chez Cornet Racing Team. Demeure que ça sera pas facile pour remonter la pente pour la Québécoise. Évidemment, plus 2, plus 1, avantage Perez, mais demeure qu'il y a 3 points à l'avantage de la Québécoise. Quant aux popularités, ben on augmente un peu, on baisse un peu, et 18 reste assez pas mal similaire. Bon, ben avec cette 17e position, je pense qu'on prendra pas de chance. On va y aller avec un nouveau MGUH. Et qu'est-ce qu'on pourrait upgrader d'autre? Je vais prendre un nouveau turbo compresseur, tiens. Aller avoir une meilleure électronique de commande. Puis, ouais, celui-là à 22% bois de vitesse, on va laisser ça de même. Fait qu'on va aller chercher 3 nouvelles pièces. Puis on va partir dernier. Bon dernier, c'est ça qu'il faut faire. C'est parti pour la course. C'est un plaisir de vous retrouver place Azadlik, en plein cœur de la ville de Bakou, où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec ses pointes de vitesse, ses virages serrés et ses zones de dégagement
quasiment inexistante, il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes ont donc tout intérêt à faire très attention afin d'éviter les sorties. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Sainz, Norris, Stroll, Perez, Gasly, Oscar Piastri, Hamilton, Russell, Albon, Ocon, Hülkenberg, Magnussen, Tsunoda, Larouki, ah, les pédales temps ont été mis. Joe, Bottas, Leclerc, Ricciardo. Et pour finir, Fernando Alonso. Alonso, lui, est dernier. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. À mes côtés, dans la cabine de commentaires, mon camarade Jacques Villeneuve. Un journaliste, oui, sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Ça ne va pas être simple d'obtenir une arrivée dans les points, mais il faut que tu te donnes à fond. Ah là, la question, c'est j'ai raison d'être pénalisé ou j'ai pas les nouvelles pièces? Bonne question. En termes de stratégie, ben, soft medium, on se casse pas la tête. That's it, that's all. Puis on se retrouve pour le tour de formation. À la fin du tour de formation, il y a 22 places de pénalité, mais c'est pas vrai. Encore un beau bug. Encore un estifié de beau bug où je demeure en 16e place alors que je devrais être bon dernier. Et, je peux-tu y voir les pièces du moteur? Non, je peux pas y voir encore. Mais bon, c'est pas grave. On les verra plus tard quand la course va commencer. Bien, on va faire chauffer. OK, c'est la remise en grille avant le départ. Les pneus sont à bonne température. C'est parti, on va se placer pour avoir le purple si possible. Idéalement, on se met droit. Ça aiderait. Ça aiderait énormément. Ah, j'ai vert, je suis heureux. Et c'est parti, les feux s'éteignent. Excellent départ de Guan Yuzu alors que ça va être le chaos à l'avant. On plonge à l'intérieur. Est-ce qu'on est capable de... Oh, c'est collé. Pneus contre pneus. On réussit à prendre la 11e position avec Kelly Brogne. Est-ce qu'on se jette à l'intérieur de Russell? Oui. Oh, il a pratiquement eu contact. On pousse Russell contre le mur. Mais on réussit à aller chercher la 10e place. Et là, je voulais voir le moteur. Oui, les pièces sont nouvelles. Mais incroyable, on n'a pas eu de pénalité. Et là, il y a une bataille à l'avant. On va être patient. On va essayer. Et presque un léger contact qu'on a fait glisser aussi. Ça, c'est pas bon comme bataille à l'avant. On va essayer de l'avoir. On va essayer d'avoir Hamilton par l'extérieur. Yes, contente. Et si bon là, non, on laisse faire le duel. On replonge pour défendre. Face à George Russell. Mais ça va, on est presque dans le top 5. J'ai failli perdre le contrôle. Mais on a plein de batteries, c'est bon. Excellent. Hamilton qui est en médium, qui a vraiment bien fait ça, pareil. Let's go, on touche pas le mur. Je pense qu'on l'a touché un peu. Pas trop mal ce départ. Essaie de gagner des places. Trop large, mais c'est pas grave. On reste avec les voitures devant nous. Ah, presque plus de batterie cependant. Faut rester dans le DRS d'Hamilton. Verstappen qui est en tête du Grand Prix. Plus de batterie, mais on va l'arrêter. Là. Mon Dieu, ça se bat à l'avant. Entre Piastri et je sais pas qui. Et Gasly, évidemment, la McLaren. Oh non! On a frappé le mur. Oh non, c'est dramatique. Dramatique. On va tenter une offensive sur Gas. Aïe.
prenait très large. On a voulu aller sur Gasly, mais ça n'a pas été. Hamilton, tu fais-tu le double dépassement? Oui. On va attaquer Gasly. Oh non! Contact! Oh non! Voiture de sécurité. Et puis Agassi et DNF. Ah, oh, mon dieu, on a des gros dégâts, là. C'était beaucoup trop agressif. Mais ce qui est certain... On va mettre des gommes dures. Mais on peut pas faire autrement. On a quand même beaucoup de dégâts sur la voiture, là. On va attendre là, un petit peu avant de demander le rapport. Ouais, fond plat grandement abîmé. J'ai failli frapper le mur ici. Ben non. J'ai même pas abîmé plus ma voiture que ça. Bah! J'aurais dû DNF, là. J'étais comme, c'est sûr, je DNF. Mais bon, on va s'arrêter au puits. Il y a plein de monde qui s'arrête pas au puits. Nous, on va le faire. Et tabarnak que ça tourne pas. Là, j'ai un peu trop d'espoir. Là. 10 secondes de pénalité pour Guan Yuzu qui a pas dû respecter le temps. Ah non, tout le monde s'arrête au puits, excusez. Arthur rentre au stand. Arthur est au stand. Ok. On met des médiums et on remplace le rond. Des hards, excusez-moi, des gommes durs. Légèrement, mais c'est pas grave. Let's go, je veux un nouvel aileron. Fonce. Et bon, je vais être devant Zou. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Ça va. La question c'est est-ce que avec mon fond plat endommagé, je vais être capable de suivre là? Ça, je le sais pas. Aïe, il est vraiment magané. Aïe. Puis je pense qu'il y a des changements là au niveau des. De qui est en première place. Là. On va regarder là. Excuse-moi, radio. Hein, c'est Stroll! Stroll est en première place. Norris, Hulkenberg, gros switch, what the heck? C'est-à-dire que Verstappen a été bloqué dans les puits parce qu'il est rendu 9e. Leclerc 4e, puis Astri. Wow! Arthur qui est 8e, impossible. Impossible, les doubles stacks qui ont bloqué les voitures, tout le kit, c'est capoté. Alonso, 12e alors qu'il était 22e. Sainz, aïe. Tu sais, aïe, Perez, on pourrait peut-être le dépasser, Perez. Holy shit, puis Gassi qui a DNF. Oh là. Ah oui, Guan Yuzu, grave collision avec Gassi, 10 secondes de pénalité, j'ai hâte de revoir ça. On va essayer de regarder ça à la fin de la course, mais. Le fond plat est extrêmement endommagé. Ouais, je sais, hein. Ah là, faut que je m'assure que mes pneus soient chauds là. Ouais, mais je vais être en mesure avec les lignes droites là. Ouais, avec la voiture de sécurité qui est là. Il y a plein de monde en médium. Hey! Ouais, j'ai eu peur. Ça a freiné beaucoup. Tu risques de subir du sous-virage en restant dans le sillage de la voiture de devant. Essaie de la dépasser dès que possible. Ouais, mais là, on a une voiture de sécurité, mon ami, hein. Fait que là, je suis seul qui a mis des durs. Tout le monde a mis des médiums. Calvasse. J'aurais peut-être dû mettre des médiums. Attends, je suis le seul qui a mis des médiums. Ok, non. Leclerc a mis des hards. Tous ceux qui ont mis des médiums ont mis des hards. Puis tous ceux qui avaient des softs ont mis des médiums. Ok, c'est bon à savoir, mais on s'entend que je pense que des hards, c'était ce qui était le mieux à faire avec quand même 12 tours. Je sais pas. On verra bien, là. Peut-être que c'est. On aurait dû aller médium. Peut-être qu'on aurait dû faire soft médium. J'en ai aucune idée, alors que mon pneu gauche est tellement. Ouais. Essaie de rattraper un peu le peloton. On est à la traîne. On doit être à moins de 10 longueurs de voiture de la monoplace qui nous devance. Ah oh ouais, je vais aller les rejoindre, les garçons là. Arrête de niaiser, là. Bon, on se rejoint. Lorsque le drapeau vert sera dévoilé.
Bon, la voiture de sécurité qui va quitter à ce tour. Le seul problème, c'est que mon pneu avant gauche a vraiment de la misère. Mes pneus avant, en fait, ont vraiment de la misère à se réchauffer. Je suis vraiment pas bon pour faire ça. J'accélère, je freine, mais c'est pas suffisant. On se prépare pour potentiellement aller attaquer Perez. C'est parti. Ah oui. Quelques drapeaux jaunes à l'avant, je pense. Mais on réussit un double dépassement et c'est Perez, notre rival, qui est derrière. Excellent. Très bon départ, très bon départ. Lance Stroll est toujours premier. What? Non, non, tu peux pas me dépasser de même, toi, là. Let's go. Mais c'est vrai que mes pneus sont froids. Hein? Fait que dans ce temps-là, moins de chance. Et je voulais peut-être faire une attaque, mais j'ai pas une bonne relance ici. On va rester devant Perez, c'est tout. Ok, pas de dégâts, c'est juste ça que je veux. Là va, on reste avec Ricardo un peu large ici. On glisse un peu, mais c'est pas grave. On va réutiliser la batterie. Alors, je veux pas que j'oublie que je suis en hard, là. Les autres sont en médium, fait qu'ils vont avoir meilleur sur moi lors des premiers tours. Aïe, aïe, le pneu avant gauche, j'ai donc bien de la difficulté à se réchauffer, là. Oh, oh. Merde. Merde. Ah, Perez, tu peux passer, mais... Tu vas-tu me donner le DRS, toi, là? En tout cas, si tu me donnes pas le DRS, là... Ah, c'est le prochain tour, c'est vrai. Holy crap! Look. Ouf! On a encore le DRS pendant, il faut pas le perdre. Faut pas le perdre. Faut pas le perdre. J'ai plus de batterie déjà. Oh, blocage de roue d'avant. De George Russell. Oh non, léger contact. On va à l'intérieur. On attaque. On donne de l'espace. Holy crap. C'était insane ça. Non, 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 non. Aïe, shit, j'ai eu peur. On perd le DRS sur Russell, c'est très mauvais. Faut le rattraper. On coupe un peu dans le virage, mais on rejoint probablement le DRS de George Russell. Let's go, let's go. Ah non, on n'a pas le DRS de George Russell. Si on l'a pas, on est fourré. Hein. Faut que je pousse. Faut que je pousse la voiture pour avoir le DRS là, le mieux que je peux. Comme ça, là. Ok, j'ai le DRS, mais je pense que Russell n'a pas le DRS. Russell est devant toi. Y'a-tu des dégâts? Sa voiture a de nouvelles gosses. Oh, j'avais le RS activé comme un con. Oui, il y a des dégâts sur l'aéro avant. Mais j'ai mal géré mon RS, je pensais pas que je l'avais activé. Mais c'est pas grave. On va essayer de faire notre possible. On va le dépasser sûrement ici avec le DRS. Hein. Il faut dire que ma voiture est tout aussi endommagée. Ça sert à rien. C'est jamais dans 100 ans que je vais aller dans les points. En fait, l'objectif actuel, c'est juste de battre Perez. Hein. Mais j'avoue que si je passe Russell, peut-être capable d'aller chercher l'autre en avant. Mais pas sur Baku, pas un Grand Prix de cette sorte-là. Non, 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 sûrement pas. On est à mi-course. Ça va. Ah, je glisse beaucoup. Ça doit être le fond plat, ça.
Mais je suis encore dans le DRS de Russell. J'ai peur de glisser vers le mur. Mais ça va, un peu large. Ricardo qui nous tient de proche. Mais gars, Sargent, il fait chier le peuple à l'arrière. Ok, batterie utilisée. On va essayer de dépasser Russell. On va essayer de le dépasser. Devrait être capable. On feinte par l'intérieur. On y va par l'extérieur. Retarde le freinage. Yes, puis Albon aussi est en gomme dure, là. Ça se bat un peu à l'avant, qui sait, tout est possible. Si Russell peut ne pas avoir le DRS sur moi puis retarder à l'arrière, là, ou se battre, ça serait encore mieux. On est à 2 secondes de con. Ça va. Oh, je l'ai manqué totalement, ce virage-là. Oh, les shit. Non! Légèrement. Brave. J'ai manqué ça. J'ai tellement voulu défendre. Bon, faut juste que je termine la course idéalement devant Perez. C'est ça l'objectif, là. Je pense que je peux oublier Ocon puis Albon. Dommage parce que... Eh, ma maille! Mais c'est un petit dégât sur l'aileron avant, là. Eh, shit, j'ai peur, Russell. Très peur. Et j'ai de la misère à tourner à gauche. Ça doit être l'aileron, ça. On va utiliser de la batterie pour pas voir que l'autre nous peine avec le DRS, là. Et si on peut terminer 16e sur cette course-là, là, on n'aura pas amélioré notre sort, mais bon. C'est ça qui est ça. Je pense que c'est Oscar Piastri qui est en première place. Lance Stroll, deuxième. Ah là là, il y a Russell Ricciardo qui lutte. Ah, il reste 4 tours. 5 tours. 5 tours. Je laisse tout le temps ce spot-là. Là. Ricciardo a pogné Russell. Ah non, ça va être très dur de défendre face à Ricciardo. Je pense que sa voiture qui est pas dommagée. Et puis mes pneus avant sont même pas encore chauds. C'est gênant. Je rattrape les voitures de devant, pareil, légèrement. Mais pas vraiment. Je pense que c'est parce qu'ils luttent un peu un contre l'autre. Là. Mais à part de ça, c'est assez ordinaire, merci. On va se rejoindre plus à la... Je suppose de quoi dans la course, là. Oh, drapeau jaune! Ça n'a pas été long avant que tu passes de quoi? Il y a un char qui abandonne. J'ai pas vu c'était qui, c'est Carlos Sainz! Une Ferrari. Ouais, on gagne une position gratis. Aïe aïe! Regardez comment Lance Stroll, deuxième, puis Charles Leclerc, troisième. Mais ça va être très difficile pour les voitures d'aller chercher le top 3. Là. Ben, du moins le top 2. Top 3, ça va. Où est Arthur? Où est Arthur? Ocon et Albon qui semblent lutter l'un contre l'autre à l'avant. Je pense pas que je peux rêver d'un top 10, là, mais si on peut améliorer notre sort, ça peut être cool. Ça peut toujours être cool. Même si Ricardo se rapproche, Sargent est loin derrière. Sargent a dépassé George Russell qui a des ennuis, évidemment. Et si tu commences ce virage-là souvent. 2 secondes maintenant d'Ocon et Albon. Mais on va faire de notre mieux. Ça, c'est pas de notre mieux. Tellement pas de notre mieux que on a failli perdre le contrôle de la bonne place. Ça va donner une chance à Ricardo de nous attaquer, ça c'est sûr. Oh shit! J'ai peur. Ah, je prends large, je pense. Il y a vraiment de la misère à tourner à gauche. Ah, Ricardo qui se rapproche. Il va m'avoir avec le DRS, ça fait que j'économise ma batterie. Et là, je l'utilise.
reste 3 tours là, pour faire notre possible pour rester devant. Ok, avec la batterie, je l'ai mis loin. Mais bon. Comment on va finir cette course-là? Il n'y en aura pas de facile avec Kelly Vrogne et Cornell Racing Team. Il a endommagé sa voiture, pas à peu près, mais à bas coût, hein, les chances de ne pas endommager sa voiture sont assez faibles. Il n'y en aura pas de facile. Si je peux juste rester devant Ricardo, ça me va. En même temps, Perez, il rentre, je suis où, hein? Derrière Russell. Il doit avoir un contact, quelque chose, un dégât. Et j'ai de la misère à virer ici. Je le rate tout le temps, je pense que je le prends juste pas bien. Là. Let's go la batterie, on est déjà à une seconde de plus que Ricardo, ça fait que ça va bien. À l'avant, on peut voir une McLaren devant Lance Stroll, devant Leclerc, une autre McLaren, Hamilton. Où es-tu, Arthur? Je te vois pas. La voiture de derrière, celle du terrain, tu es en train de creuser l'écart. Ouais, pas tant que ça, là. Elle va me rattraper assez vite, là. Est-ce qu'Arthur? Non, Arthur, je pense pas qu'il est dans le top 10. Attends, si je fais ça. 14, 13, 12 ans, il se fait dépasser, il se fait... Il lutte, là, mais ouf. S'il finit 11e, bravo Arthur, tu m'auras battu. Hey, il rattrape, 2,4 secondes, puis il reste 2 tours. Ah, là, vous autres, là, comment vous faites ça à Bakou, là? Êtes-vous bon? Touchez-vous les murs? Vous pouvez me raconter vos histoires là, de Bakou, là, parce que... Ouais, là, c'est une course que j'utilise énormément d'habitude. Les replays, les retours à l'arrière, mais là... Pas le droit, fait que je fais de mon mieux pour au calvaire, pour avoir du fun. J'ai quand même vraiment pris un écart sur Ricardo. Peut-être qu'au dernier tour, je vais rattraper Ocon puis Albon, mais c'est pas dans mes espoirs, honnêtement. On verra bien. Pas de DRS, c'est difficile. Oh shit, là, je les manque encore plus que d'habitude parce que j'ai pas gagné le vibreur. Ok, hey Arthur, il est quand même rendu devant. Là. Il y a eu des batailles, puis il est devant Fernando Alonso. Hey, je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. Là. Est-ce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Là, ce qui est 9e. 9 ou 10, là. Bon, nous, on devrait terminer 15e. Une amélioration d'une position, mais... Pas du tout ce qu'on aurait espéré. Dernier tour. Je pense que les gars médium auraient bien fait. Là. Regardez nos... Aïe, ça n'a pas de sens. Comment ils sont pas usés. J'aurais dû prendre les médiums. Je suis con. Hein. C'est 25%. Là. C'est pas 50%. Là. 2%, 8%, 9%. Les médiums doivent même pas être usés. Là. J'ai fait l'erreur des computers, hein, des intelligences artificielles quand ils partent en médium puis qu'ils mettent des hard après au lieu de peut-être mettre des soft. C'est pas grave. De toute façon, je pense pas qu'on aurait pu faire vraiment mieux. Là. On pilote de façon assez ordinaire à Bakou. C'est pas notre circuit favori. C'est ça qui est ça. La question, est-ce que Arthur Leclerc va marquer ses premiers points de la saison? J'ai vraiment hâte de voir ça. Let's go. Le plus tough est fait pour ce dernier tour. Puis on est loin de Ricardo. On est loin d'Ocon aussi. Mais bon. Et c'est la victoire d'une McLaren. Je crois que c'est Oscar Piastri. Alors que je réussis enfin moindrement bien ce virage. Let's go. Lando Norris. J'ai dit Oscar Piastri depuis le début de la course. Mais c'est Lando Norris qui l'emporte. Mon pilote préféré devant Charles Leclerc. Je crois devant Lance Stroll. Et est-ce que Arthur Leclerc va réussir à dépasser, ben à rester devant Fernando Alonso? Je crois que oui. C'est fait, drapeau à damier. On y va, c'est terminé. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Une 15e place semi-décevante,
semi-intéressante. Alors que Fernando Alonso est notre pilote du jour, même pas Arthur. Mais voyons, même pas Arthur. Il arrive pied au plancher, Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Cette deuxième victoire de suite prouve bien que son premier succès n'était pas le fruit du hasard, Julien. Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée? C'est tout à fait envisageable. Oui, bravo Lando, quelle belle performance. Profitez de la voiture de sécurité pour faire la différence. Les trois premiers de la course s'avancent vers le podium en ce moment même. Ce fut une course fantastique pour l'écurie McLaren, c'est indéniable, et ils vont pouvoir faire la fête ce soir. Et Leclerc qui finalement termine deuxième. Lance Stroll troisième, ça c'est capoté, merci, un podium pour les Canadiens. Mais la voiture de sécurité a complètement détruit la course de Max Verstappen. La voiture de sécurité, en fait, a donné tellement d'opportunités à tellement de pilotes. On va revoir justement le résultat du classement suite à ce Grand Prix de Bakou d'Azerbaïdjan. Demeure que Lando Norris se consolide sa première place au classement pilote. Lui qui voudrait bien devenir un champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Wow! Regardez les changements qu'il y a eu. Bon, Lando Norris qui fait le tour le plus rapide, 26 points, c'est énorme. Lance Stroll qui monte sur le podium. Hamilton, P9 à P4. Piastri, P8 à P5, des gros points pour McLaren. Nico Hülkenberg qui était hors du top 10, marque des points pour Haas. Pareil, Yuki Tsunoda pour Racing Bull, 6 points, c'est énorme. Max Verstappen termine finalement 8e. Arthur Leclerc qui était parti 20e, termine 9e. Marque ses deux premiers points en carrière ici à Bakou. Fernando Alonso qui termine la 10e place, qui termine les pilotes qui marquent des points, lui qui était parti 22e. Bottas était tout près. Waouh, c'est assez stupéfiant, sachant que Gasly, Sainz, DNF, Perez, 19e et Kelly Brown, 16e alors qu'elle était partie 15e. George Russell qui était 10e, malheureusement, a été pogné dans les puits. Et en plus du bloquer les roues, ça a causé un peu de dawa. On va revoir la reprise un peu plus tard. Au niveau du classement maintenant, Lando Norris qui est à 27 points devant Max Verstappen. Et Charles Leclerc qui se rapproche de la deuxième position. Quant à Kelly Brown, il n'y a pas de points aujourd'hui. Pas de points pour Perez non plus. Et pas de points, pas de points pour Fernando Alonso non plus. Et pas de points pour Sainz non plus. Donc 6, 7, 8, 9 n'ont pas marqué de points. Piastri est le seul à en avoir marqué. Lance Stroll qui vient finalement de pouf. Poppé en 11e position avec 34 points au classement des constructeurs. Ferrari qui domine par un seul maigre petit point sur Mercedes. 29 points, Red Bull 35 points. McLaren, c'est très serré pour la tête de ce classement. Alors que Aston Martin devance Corner Racing Team par maintenant 4 points. C'est extrêmement serré entre les deux écuries, entre l'écurie québécoise et l'écurie du propriétaire canadien, M. Lawrence Stroll. Pour le plaisir, on va revoir le départ de Kelly Brown qui a marqué la course également. Une attaque à l'intérieur d'ici. Waouh, très bien fait. Trois de fond, léger contact avec la Williams et la Haas. Et par la suite, il y a eu un événement que je n'avais pas remarqué. Mais alors que Kelly Brown a attaqué George Russell, on le voit très peu sur cette vue, mais la voiture de la Mercedes a eu des dégâts. On va mieux le voir de cette vue. Regardez ici, elle le pousse vers le mur et boum! Léger contact suffisamment pour briser l'aileron avant et George Russell ne remplacera pas son aileron. C'est vraiment le temps de voir l'incident entre Kelly Brown et Pierre Gasly. Ici Hamilton qui réussit un double dépassement incroyable et par la suite Kelly Brown a tenté d'en profiter mais a poussé l'Alpine contre le mur et par la suite elle a elle-même perdu contrôle de sa place et rentré en collision. On va voir les reprises de la voiture CRT91 et également de l'Alpine numéro 10 de Pierre Gasly qui va devoir abandonner suite à cet incident. Oh là là, et léger contact sur le mur et par la suite presque léger contact avec les voitures adverses. Et à l'arrière, Kelly Brown qui va d'un magnifique dépassement sur la Racing Bull qui a légèrement frappé le mur. Oh, et Kelly Brown qui fait tout son possible pour être en 16e place à cet instant présent. Ceci étant dit, bilan de rivalité. 4 points contre 2 pour Kelly Brown qui va prendre 27 points sur 22 contre Sergio Perez. C'est assez intense en cette rivalité. Alors que, wow, Arthur Leclerc qui enfin pousse sa popularité à monter. Et Corner Racing Team qui va passer les 19 points.
En termes d'argent, c'est réussi 406 000 $ grâce à OPAC et Loop. Et oui, malgré tout, on va enlever 45 000 $ au total suite aux dégâts des monoplaces. Ça reste qu'on monte à 2,4 millions de dollars, presque 2,5. Bonjour, patronne. Nous avons reçu les paiements des sponsors et notre profit est bon par rapport à nos dépenses. Merci, mais cet épisode est terminé. Si vous avez apprécié la course à Bakou, eh bien, je vous invite à vous abonner, à cliquer ce pouce bleu et à faire sonner la cloche. Le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Singapour. Lui non plus, il n'est pas évident. Donc, on se rejoint justement pour le prochain épisode de la série de Kelly Brogne. Ciao, ciao, les cornets!